Eh bien, salut tout le monde, c'est Andy, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo présentation d'un objet Bruce Lee. Aujourd'hui, c'est un objet assez rare à trouver, c'est un objet pas commun. C'est tout simplement un billet en or. Donc, je vous préviens que ce n'est pas de vrai or. C'est tout simplement une copie, c'est sûrement du doré tout simplement. Et ce billet est vraiment magnifique. Donc, voici à quoi il ressemble. Voilà, c'est vraiment l'une des plus belles pièces que j'ai dans ma collection parce que je le trouve vraiment sympa comme billet. Alors, c'est dans une petite pochette, donc apparemment c'est un certificat. Donc, je sais pas trop l'anglais, donc c'est une sorte de passeport un peu. Donc, j'en ai aucune idée, mais ouais, c'est ça, c'est un certificat. Je sais vraiment pas. Donc, voilà, dans une petite pochette. Et le billet, il est vraiment assez dur en fait, de bonne qualité. Donc voilà quoi il ressemble. Donc vous avez Bruce Lee dans la fureur du dragon. Avec ici, on peut reconnaître Bruce Lee dans Opération Dragon. Alors ce billet apparemment a été créé en 2013. C'est 100 dollars, je pense, 100 dollars. Ici, il est marqué LXL. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a des écritures chinoises. Ici aussi, il a un petit logo. Alors ici, on peut voir qu'il est écrit Ling Shan Long ici, donc Bruce Lee. Et là, je ne comprends pas. Donc 2013. Là aussi, c'est sûrement écrit Bruce Lee en chinois. Et derrière, vous avez un code-barre que j'ai jamais remarqué en plus. Faudrait que je le scanne pour voir. J'ai jamais fait attention. Vous avez une. Ah ouais, ça se présente comme ceci, je pense. Ou comme ça. Ouais, je crois bien que ça se présente comme ceci en fait. Donc vous avez de magnifiques fleurs. Franchement, il est super beau comme billet. Regardez-moi ça. Il est super joli. Voilà. Franchement, même la texture ici, tout ça, c'est en relief. C'est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis vraiment satisfait d'avoir ce billet. C'est vraiment très joli. Alors ici, vous avez bien sûr le symbole, le yin et le yang, d'une couleur assez rouge. Ici même la texture, tout ça est en relief. C'est vraiment assez amusant. Donc voilà, petite présentation du billet Bruce Lee. Donc celui-ci, c'est une pièce que je possède depuis très longtemps. Mais que je vous l'avais jamais montré. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce magnifique billet. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo présentation d'une pièce de collection de Bruce Lee. Allez, ciao tout le monde. Prenez soin de vous.